Bon, salutations tout le monde. Moi, c'est Jean-Bert Philippe. Je salue nous depuis la capitale fédérale américaine en Washington DC. Jeudi, c'est vendredi 8 décembre. C'est fait le marqué de conception Simba Topé. Et je salue nous. Nous avons passé un très bon week-end. Nous espérons que vous avez passé une bonne semaine tôt en compagnie de la Voix de l'Amérique. Et nous sommes contents avec nous et nous sommes contents que vous continuez avec nous toujours. Le programme de jeudi, c'est vendredi en août. Pour qu'on ait commencé, qu'on ait pris droit, ou pas capable de consommer l'alcool pour qu'on conduise une machine, et tout comme tout, pas capable de conduire une machine pour qu'on consommer l'alcool. Donc, pas capable de faire c'est une ou bien l'autre, là, ou pas capable de faire tous les deux à la fois. Nouvelle lieu, c'est que le programme domine l'actualité ici aux États-Unis. D'abord, c'est la justice américaine qui est censée, après une révélation dans la rue même, qui est qui inculpé petit président Biden, on a parlé de Hunter Biden, M. Gain, 9 chefs d'accusation qui ont pesé sous Dolly. Donc, c'est dans la Californie, un grand jury prend décision ça. Donc, ça veut dire son dossier qui est censé l'ouvrir. Donc, avocat Cap Defendio dit que l'itérilé et avocat enquêteur pour te demander, pour te discuter des questions avec lui, mais il a semblé que bah, la bague est passée. Donc, nous sommes en accusation. Alors, 9 chefs d'accusation parmi eux, il y a évasion fiscale. Donc, il n'y a pas rempli comme taxi à l'heure, etc. Donc, on va dire en plus de l'autre accusation qui est à sous d'autres déjà, mais j'étais d'accord. C'est une première entente qui était jeune pour que tu fasses une entente pour que M. Tébé ne coupe pas pour possession d'armes, parce que là, non, pour le, ici, les États-Unis, là, tu as des problèmes de drogue ou tu es condamné pour avoir fait de drogue, et bien, normalement, pas de droit à gagner possession d'armes, et bien, c'est ça qui passe, monsieur, c'est ça qui passe là, qu'il y a là. Donc, son dossier qui l'ouvrit dans l'autre point sous jour, et c'est une friction qui est dans le Congrès entre gouvernement, entre l'administration américaine avec les parlementaires sur question financement et l'argent voté COP pour Israël avec l'Ukraine qui n'ont guère contre la Russie et puis Israël n'ont guère contre militants Hamasio. En parlant de militants amassés, on a vu qu'actuellement, il y a un Conseil de sécurité des Nations Unies qui a fait débat pour voter une résolution que le secrétaire général des Nations Unies a mis devant eux pour demander au cessez-le-feu dans la guerre. Mais ça n'a pas empêché que Israël, l'armée israélienne, a continué à pilonner le territoire Gaza, côté déjà il y a plus de 16 000 personnes qui mourent depuis les Israéliens ont lancé l'attaque le 7 octobre passé en réponse avec. Et attaque que Hamas a lancée sur le territoire, dans le sud-territoire, dans le sud d'Israël, côté de tout est seulement 1200 monde, et jusqu'à la nouvelle, c'est toujours 1200 monde de et mais on va en bas plus que ça, 1200 monde. Et alors que déjà, il y a plus de 16 000 Palestiniens qui mourent, puis il faut la donner ses femmes avec Simon, donc ils ne savent pas gagner pour eux avec guerre. En tout cas, le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, il dit que. Malgré tout, et ça, Israël dit dans la parole, mais ce n'est pas sa capacité sur terrain parce qu'il demandait pour que Israël crée des moyens pour protéger les civils. C'est vrai que Israël était voyancé de petits bouchures par la population dans le sud Gaza, dans Gaza, dans le nord, par exemple, il a pris refuge dans la zone Rafah, donc il est plus ou moins dans le sud là, pour que le santé dit qu'il a plus de sécurité, mais jusqu'à présent, d'après le ministère de la santé dans le territoire de Gaza qui est en bas contre la masse, eh bien, il dit que déjà il y a plus de 300 personnes qui mourent en pied avec Jodia dans l'attaque que j'ai lancée, côté à chercher l'idée et militant Hamasso. Donc, son dossier que nous avons parlé de lui, et puis nous avons tout, Valérie Saint-Louis a pu vous parler lui-même de situation dans New York, votre sac qui est fait là. Mais c'est un débat quand même, dont la résolution qui est présentée devant le conseil là, que nous avons fait débat sur lui, et justement, et le conseil secrétaire général de la Société Unie a tenu compte de l'article 99 et le règlement interne en Société Unie, et bien, il a demandé pour éviter une catastrophe. Pas arriver dans un an, il y a une nécessité pour foncer cette feuille pour que l'assistance humanitaire soit arrivée dans un an. Mais Israël dit d'accord pour l'assistance humanitaire arriver, mais ce n'est pas comme ça, parce qu'il faut passer par l'Égypte pour retourner avant, pour rentrer dans le territoire. De côté, il faut fouiller, pour assurer que c'est vraiment l'assistance humanitaire qui va jouer la population.
là de grand point ça devenir actualité assez surtout et dossier pays d'Haïti a et bien nous connaît que depuis 6 décembre là et bien une délégation CARICOM qui est en Haïti après que cap rencontré avec responsable et différentes entités dans acteurs politiques qui ont pris dans qui mesure le cas résoudre crise politique pays a traversé depuis quelque temps et de toute façon et jusqu'à présent pas grand gros bagarre qui sorti pas grand qui sorti excepté quelques leaders politiques ou des partis politiques qui fait quelques interventions ou qui fait quelques déclarations dans la presse et bien même yo déjà montré position yo et yo pas quoi que et document que CARICOM te baille pour résoudre la crise, parce que le document n'est pas suffi. D'autant plus qu'il est très ouvert et qui est très amer contre le Premier ministre Ariel Henry. Et il dit d'abord et une solution, le Premier ministre Ariel Henry n'est pas de passer. Non, il n'est pas de faire partie. Et le gouvernement qui a parlé là, d'abord il a parlé de un gouvernement, on a parlé d'une entité. On a cité, c'est-à-dire un haut conseil de transition qui a gagné là-dedans 7 membres. Et mes 7 membres-là, ils disent avec un gouvernement qui a gagné un premier ministre là-dedans, me dit ni un ni l'autre premier ministre n'est pas de là-dedans. Ça qui fait que partisans et monde qui est signé accord avec le premier ministre Henri, et accord 21 décembre, ben, ils ont même eu un mauvais temps au Congo, ils disent qu'ils ont même pas là-dedans, il faut que le premier ministre Henri fait partie de solution. Donc c'est là-bas la BC et en plus mon temps déjà prédit et dossier ça que même dans ce dossier là dit au dispute que dirigeants politiques qui ont ça avec CARICOM et CARICOM nous entendent qui t'a représenté un cadeau Noël pour peuple haïtien et il n'est que d'attendre pour est-ce que ça va passer exactement, est-ce que il y a prouvé je non encore, est-ce que le parti concerné a signé un document qui pour bail. Donc, il y a un ancien ministre des Affaires étrangères, Dr. Claude Joseph, qui est leader politique parti et lui-même qui est très ferme sur la question ça tout, et qui dit que tout bail ça un conseil qui a un pouvoir présidentiel avec un gouvernement, mais affaire Ariel Henry, parce que lui-même tout l'a encouragé pour le ministre Ariel Henry pour lui aller devant et jusqu'à instruire le dossier assassinat. Et le président Jovenel Moïse là, parce que M. Baram de la Constitution a dit que le premier ministre n'est pas capable de cacher derrière le pouvoir pour parler pour une question de la parce qu'il y a une non-explicité, donc c'est pour clarifier ça avant. Donc, alors que lui-même, il était présenté devant le juge Walter, Wessier Walter, qui a fait ce dossier pour lui-même, il était répondu à la question. En fait, ça fait deuxième invitation. Que et ancien ministre des Affaires étrangères là recevoir et sous question et enquête cap mené sur assassinat en prison Jovenel Moïse mais sur un rappel que il y a un seul monde qui censé et que la justice Kembe ou bien que le juge l'a mis et Kembe en dépôt ou bien que le dit inculpé c'est ancien ou bien magistrat intérimaire Jacques Mel là n'a pas les marqués que ça qui lui-même a fait une manifestation déroulée dans Jacques Mel pour demander libération libre jusqu'à présent. Je sais que Guy Philippe toujours a sillonné et zone grandance, côté que l'arrivée, il fait plusieurs tournées, il parle avec la population hein, et il parle de nécessité, il dit qu'il n'y a pas quoi que. Et il y a besoin de forces multinationales étrangères, Kenya, combiné des mesures de sécurité, il dit que le peuple haïtien est capable. Population capable, population la capable, l'armée capable, moyennant que bah yo moyen nécessaire pour rendre puis concernant lui-même, dit que lui-même il vini, il non bataille il vini, est-ce que quelqu'un qui dit est-ce que c'est un pion américain lié, est-ce que son il dit lui-même bon pour ça se passer plus passer 6 ans en prison aux États-Unis donc il pas quoi que il est capable de servir comme pion pour le gouvernement américain hein, mais il là il vient une bataille il vient ouais il vient en lutte là pour la façon que Caribé libéré tête en ville question à poser est-ce que la prochaine une activité politique lui réponse c'est oui il dit oui lui-même la prochaine activité politique en fait il déjà reprend l'activité politique et lui-même promet pour continuer si on est l'autre ville dans le pays à l'autre département faire passer message pas bien. Et dossier Wanamet, gagné et autorité dans le département nord-est qui était rencontré avec le comité qui a géré construction et canal
canal et sous rivière massacre là et bien il était rencontré et bien côté que yo bail et comité a garanti que gouvernement est censé impliquer dans dossier ci là et lui même il prend il pas prend ça en charge mais il impliqué tout et lui même l'a fait suivre mais on rappelle que comme Mounio frontière a toujours fermé et yo fermé lien encore plus le fait que fin connaît que gouvernement vient a vin dit que li impliqué dans la suivre li et ben vin ba on force tout il y a plusieurs groupes récemment qui ont fait tentative pour aller frontière par la force pour que commerce soit capable bail mais ça va marcher ça va marcher et je dis à les autorités prendre des dispositions pour empêcher que frontière fermer mais c'est surtout parti ça parti dans le nord de ça c'est les qui fermer n'a pas de zone frontière qui a été partagé avec Darabon ou à la main Darabon n'a pas une partie nord de ça. Eh bien, lui-même, il a fermé et il a dit que il n'a pas prouvé tout en tant que gouvernement haïtien, pas chita, avec le gouvernement dominicain pour discuter de questions sérieuses et sur modalité, sur ces deux questions avant que le frontière ferme. Mais il t'a semblé qu'il y ait l'autre zone frontalière qui ferme, qui l'ouvrit. Et alors, il dit pour ça, parce que mon paquet de commerçants qui gagnent marchandises, qui est en République dominicaine, de l'autre côté de la frontière, qui va rapporter au monde, ça va même y appeler des pressions pour se diriger un peu capable d'aller. Plus tard, ben, on sort de sursis ou bien encore on met levé et pendant quelques jours, on va aller prendre des marchandises qui viennent pour venir mener en Haïti. Il y a une question qui est posée qui est en monde vivre, parce qu'on marche informel qui fait dans l'autre zone fille qui est tout près frontière, en l'autre partie. Qui tout peut foncer à tout avec le groupe dominicain, eh bien, la police descend dans un an, elle a écrasé le marché informel, ça, qui normalement pas en zone officielle, de l'écrasé, ça va qu'il y a. Qui ça encore, nous n'avons rien pour nous dire encore. Et puis, de ce cas, comme nous avons dit que nous avons et sous-secret de l'État américain pour en faire hémisphère, là, Brian Nichols, qui met tombé ça sous compte. Exli, ancien nom Twitter, mais pour lui dire lui-même, lui encourager CARICOM pour continuer, et encourager et saluer les fonds CARICOM a fait pour les médiateurs ensemble pour la communauté une solution. Et lui dit que les États-Unis bah, pour le support à tout bah, être capable de déboucher sur une solution à la crise politique du pays d'Haïti à travers ça. Jusqu'à présent, acteur n'a pas fini trop clair. Parce que l'État semble que le premier ministre Henri peut être capable de présenter un handicap. Mais en fait, je dis encore, l'autre rencontre a déroulé, je dis encore, et cela, CARICOM n'a pu y aller jusqu'au 14 décembre, avec l'espoir que Gombay a sorti, et c'est ça que peut-être tout le monde. Parallèlement, les gars continuent à fonctionner, continuer à mener l'activité, continuer à rançonner la population, continuer à faire autobus payer d'autres passages dans ces deux zones, et bien la police nationale là paraît impuissant pour être capable de mater. Et monsieur, les policiers attaquent, bien monsieur replié, il retourne encore et il retourne avec plus force. Donc, en plus, question qu'a posé pour dire que certainement c'est force Kenya et force multinationale là que les États-Unis a supporté, que l'autre pays n'a émission a supporté et qui est capable de venir pour aider à résoudre la crise politique sa pays d'Haïti à travers ça. Et il t'a semblé que peut-être, d'après ce qu'a dit, et force attaque en Haïti. Pas en décembre encore, c'est peut-être pour l'année prochaine, dans le commencement de l'année 2024. Là, parce que dernièrement, il y a une délégation Kenya avec une délégation au niveau américain, tout, qui est un américain qui est visité à Haïti, qui était en contact avec les dirigeants, en particulier le premier ministre Ariel Henry, qui était avec le directeur présidentiel là, Franz LB, qui était discuté justement sur l'arrivée et force ça, il a dit, d'après sa présidente, Kenya a dit, il y a besoin de 5000 policiers. Qui est capable, donc Kenya déjà là par 1000, donc l'autre 4000 ans, tu as sorti dans plusieurs autres pays dans la région, tu as compris, Jamaïque qui te promet, Trinidad qui te promet, donc voilà, c'est tout ça qui a passé là. Eh bien, c'est ça, oui, dès pour nous aujourd'hui, à Jacques, en vacances, on nous tout dit, monsieur, passez une bonne vacances, monsieur, à fond, on vacances bien méritées, donc nous tous là, nous souhaité que la marée là, vous passez une bonne vacances, jouez vacances là, bien dormi. Bon, si M. Pral bon rivière, peut-être M. Kendo al bon petit rivière, côté M. Pral vient dans grand-mère. Bon, il y a Freddy Boy, M. Pral a planté. Jardin Maï a fini, M. Pral a fait jardin. Il y a Freddy.
Donc les frères d'y aller, monsieur a tourné avec Jadimaï, il était fait encore. Mais au moins, monsieur Ponti a comme ça. Et gentil tout, gentil par là, je dis à gentil ma ami, mais quand même là avec moi en esprit. Et vous quittez dans la vous pas avec Sandra. Avec Rodriguez. En tout cas, c'est Fred retourner la Kali dans New Jersey. Donc moi dans cala. Moi dans cala pour contre moi et avec Sandra et puis Sergio Rodriguez. Donc m'a dû passer un bon week-end. Donc après nous dire nous gagne émission non, c'est moi même m'a présenté l'émission et c'est m'a prévu pour Jacqueline pendant que pas là. Donc n'a aidé moi pour mon cas et faire une gravelle pour me présenter mon motif sur que non tout après. Donc nous disons déjà bon week-end. Donc on a parlé encore plus tard. Et par contre, tout bas, non, même qu'on est dans tout ça, sur le dossier Montana, le dossier CAICOM, non. Et il y a une organisation, et doit assumer qui est censé parler de. Capacité de journaliste aujourd'hui pour parler de. Pour parler de. Agression faite contre fille avec Tifi, madame, femme avec Tifi. Et puis, de ce samedi, nous va garder le bon nom. Et puis, dans New York, nous allons aller au Saint-Louis à travailler. Et puis, nous allons côté pour le dire c'est vendredi, tous ces jours que nous parlons de et nouvelles souhaits d'être. Donc, nous allons entendre parler de Serge Rodriguez. Très certainement, je tiens à l'ambassade Serge Rodriguez sur qui sont là. Et puis, très certainement, les amis nous dans le Nord-Est. N'a pas les juniors, n'a pas les Jodelet. Jodelet lui-même l'a gardé pour nous dossier dominicain que nous parlons, qui était tombé, l'a gardé dossier dominicain et l'a gardé les dernières rencontres qui se tiennent entre les dirigeants autorités dans le département et qui était rencontré avec le comité qui a travaillé sur la construction du canal là. Que l'État semble qu'on ont ralenti dernièrement là parce que c'est tombé un ciment qui a gagné et qu'il y a pas un peu pour finir sur le net. Donc, le comité ça continue à demander assistance population pour aider. Il y a des gens qui ont une session qui doit être faite rapide, mais ben, la guerre puis prend plus de temps que vous avez pu voir et la guerre sauve plus l'argent que vous avez pu voir. OK? Donc, bon week-end. On va parler plus tard. Bye bye.